bien, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une pose de vernis classique ainsi que la dépose. Donc, ça sera sur les pieds, bien évidemment. Alors, c'est quoi la différence entre le vernis classique et le vernis semi-permanent? Le vernis semi-permanent dure beaucoup plus longtemps que le vernis classique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour le vernis classique, il sèche à l'air libre, donc vous n'avez pas besoin d'une lampe UV. Si vous avez l'intention de proposer la pose de vernis sur les pieds, je vous conseille vivement de faire un bain des pieds, c'est-à-dire juste mettre de l'eau tiède avec du savon dans une bassine histoire que les pieds soient propres pour recevoir la pose de vernis. Une fois que vous aurez fini le bain de pied, que vous aurez séché les pieds, vous allez venir les désinfecter et là vous allez par la suite venir repousser les cuticules à l'aide de votre repousse cuticule. Si vous avez des peaux enlevée, donc là dans la vidéo je l'ai pas fait, soit vous le faites avec l'autre bout de votre repousse cuticule ou soit vous le faites à la ponceuse. Si vous avez l'intention de le faire à la ponceuse, je vous conseille de régler la ponceuse à au moins 5000 tours. Une fois que vous aurez repoussé vos cuticules, travaillez les peaux mortes. Alors dans mon cas, je viens juste couper un peu au niveau du gros orteil. Donc s'il y a un peu de longueur à couper, vous voyez avec la cliente si elle veut que vous coupez les ongles ou pas. Sinon, vous les laissez telles quelles et vous passez directement au limage. Après le limage, vous allez venir matifier l'ongle naturel à l'aide d'un bloc polissoir. Je vais utiliser les vernis de chez Peguissage. Donc le premier vernis c'est une base, le deuxième c'est la couleur que j'ai choisie et le troisième c'est la finition. Là je viens d'abord appliquer ma base en fine couche. Ensuite, je vais venir appliquer en deux couches ma couleur, donc c'est un rose nacré. Et pour finir, je viens appliquer ma finition.
Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est la dépose du vernis classique. Là, je suis en train de faire un bain des pieds. Vous aurez besoin pour la dépose des cotons à démaquiller. Ensuite, vous aurez besoin de dissolvant. Pour verser le dissolvant, vous aurez besoin de récipient. Donc moi, je vais utiliser une coupelle. Avant de l'utiliser, je vais venir le désinfecter. Je vais prendre 3 cotons et je vais les couper en 4. Et je vais venir les tremper dans la coupelle. Vous allez ensuite prendre un coton que vous allez essorer, mais pas trop, histoire d'avoir un peu de dissolvant. Et vous allez venir le poser sur chaque orteil. Là, je vous montre une petite astuce. Vous allez poser cette partie ici, près des cuticules. Pour finir ma pose, je vais venir appliquer le vernis calcium de chez Ongles Access. Donc ce vernis va permettre de renforcer les ongles naturels. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !